un buff direct, donc le buff de l'ulti. L'ulti maintenant à moins 20 secondes level 11, moins 40 secondes level 16. Accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Alors globalement, pourquoi c'est un excellentissime buff? Parce que pour moi, il n'a juste à deux grosses faiblesses. C'est le cooldown d'ulti en late game et le wave clear en early game. Le wave clear de Nasus est globalement trop faible. Le cooldown en late game, le problème c'est que tu dépends de ta team. Si ta team sont des toxiques, eh bien ils n'attendent pas ton ulti, t'as envie de mourir. Parce que quand tu ulti en late game, t'as genre 70 secondes de cooldown à la fin de ton ulti et ta team peut run down et tu peux rien faire en fait. Et c'est ça que je trouve qu'en late game, souvent je n'utilisais pas mon ulti en 1v1 parce qu'en 1v1 je peux battre quasiment tout le monde sans ulti, mais souvent je finis le HP, tu vois. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Alors que là maintenant j'ai plus besoin. Je vais même ulti au tout début du fight et je vais lui bourrer ses grands morts en fait. En late game, on aura 25 secondes de cooldown à la fin de l'ulti. Donc c'est vraiment huge de fou. Donc au lieu d'avoir un cooldown de 45-50 secondes à la fin de l'ulti, là on va pouvoir descendre à du 25-28 secondes. C'est juste absurde et c'est vraiment une excellente nouvelle. La lane va slow push pour le top, mais je sais pas si je peux le tuer en vrai. Il vient de solo lane, pourquoi pas en vrai. Atypique, j'aime bien. Donc je vais vous expliquer pourquoi le perso là est beaucoup plus fort qu'avant. Il y a eu deux buffs indirects. Premier buff indirect, c'est le buff de Hullbreaker, qui est un excellentissime item pour Nasus, même si ça a pas l'air. On se dit ouais, Hullbreaker en jungle c'est un peu bizarre, ça doit être nul et tout, mais en vrai je pense que c'est vraiment vraiment fort. Et ça permet aussi à Nasus de pouvoir être polyvalent, c'est-à-dire que si jamais ma team il y a des gros connards, bah je peux essayer de jouer sans eux. Alors évidemment c'est compliqué avec les mecs qui font que je perde. En général je perds deux tiers des games, mais j'arrive quand même à gagner un tiers des games avec les mecs qui font que je perde, ce qui est déjà assez miraculeux parce que si t'as pas Nasus c'est très compliqué. J'essaye step son baril. Ok, on va avoir des bot side. J'adore les Vlad, je pense que c'est un perso extrêmement fort. Le perso scale énormément et Vlad avec Nasus c'est super fort parce que c'est safe en lane. Je trouve que c'est assez dur de tuer un Vlad. Il lui faut des premiers kills pour pouvoir snowball. Et franchement, autant je prends les kills sur beaucoup de persos, autant sur un Vlad je les laisse avec plaisir parce que je pense que le perso scale de zinzin. Et les gold sur moi c'est vraiment bien au début parce que en early game ça m'accélère mon clear jungle parce que je peux faire les items. Et clear plus vite, bah ça vous rend plus présent sur la map. Et au-delà de ça, vous avez plus de stacks, etc., etc. Donc c'est vraiment vraiment pas mal. Mais en mid late game, c'est beaucoup moins intéressant de prendre les kills en tant que jungle, je trouve. Ok, la bonne ward. Elle a révélé le petit père Lee Sin juste après. C'est bien parce que du coup on peut ganker mid, on sait où il est. Là je gank mid pas parce que je veux aider le Vlad mais parce que je trouve que le GP fait n'importe quoi. On gank les laners qui s'avancent trop hein. Là le laner est beaucoup trop avancé donc c'est très facile pour moi de les tuer. Là je l'aide à push, puis se prendre son reset et moi prendre un peu d'XP. Ça accélérera mon level 6. Et on pourrait dire que du coup je le mets mal parce que GP bah, il aura plus d'XP mais en fait non parce que GP meurt et donc en crashant la vague ça va le mettre bien. En tout cas la prochaine vague va revenir, on va pouvoir reganker mid encore. Alors le problème c'est qu'il est en 0-3 donc il va falloir de moins en moins de gold. Au top, en vrai je peux y aller, il est mort une fois le Ivern mais en vrai tranquille hein. Je pense que Ivern en vrai en solo lane c'est pas si faible. Alors je peux dive top je pense, mais c'est tendu. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment risqué. Il y a un monde dans lequel on meurt comme une merde. Là, j'ai pris que les deux plantes, je voulais pas tout prendre. Alors il lui a fait peur, c'est pas la meilleure idée. Ok. C'est très bien, il a reculé. Il aura la 6 si je le tue vite. Parfait. Là, je l'aide à prendre des plays parce qu'il va pas pouvoir prendre beaucoup de plays dans la game, je pense. On va back, on va avoir des ici les gars, on va faire Triforce les gars. Donc avant je faisais pas Triforce, je faisais Virtue, Shin Virtue ou des fois Virtue direct. Bah du coup Triforce a pris deux énormes buffs en l'occurrence, dont un buff qui est vraiment super bien pour moi. Triforce maintenant quand vous touchez quelqu'un, vous avez 20 de move speed pendant 5 secondes. Avant c'était 3 secondes ou 2 secondes, je sais plus. C'est beaucoup plus intéressant parce que du coup on va pouvoir avoir beaucoup plus de move speed entre les camps et après les ganks. Donc c'est vraiment pratique. Le passif mythique est pas mal, c'est 3 attaques damage, 3 d'habilité sont beaucoup de valeur, 3 de move speed qui ont aussi beaucoup de valeur. L'attaque damage c'est pas une dinguerie pour moi mais c'est pas si mal, ça me permet d'avoir plus de clear jungle. Donc je faisais des fois des Shojin dans des builds un peu semi-troll pour clear la jungle plus vite parce que en gros le défaut de Nasus c'est que le jungle clear est vraiment lent, vous pouvez pas clear aussi vite que un Ekarim ou un truc comme ça et donc du coup bah forcément il y a des moments où vous allez être un peu en PLS, vous allez pas trop savoir quoi faire. Bah je pense que Trinité aide bien ça, donc normalement je faisais lucidité en premier item, là je vais décaler la lucidité pour juste garder les bots en 1 into Triforce, comme ça on va accélérer notre clear jungle. Et en 1v1 c'est pas mal. Pourquoi Triforce c'est pas mal en jungle, c'est que ça fait beaucoup de dégâts. Le proc Triforce fait plus de dégâts dans la jungle que le proc Divine. En gros Divine Thunderer ça marche pas sur tous les Q spells, Trinité non plus, mais Trinité on le fait pas pour les dégâts, on le fait plus pour le reste, l'attaque speed et un peu plus de dégâts en jungle pour en gros c'est deux shins hein. Le proc c'est deux shins, deux fois les AD base, donc c'est pas mal. Voilà, donc le but ça va être ça. Pour gagner la game on va pouvoir avoir plein de builds possibles, on va pouvoir jouer soit team fight soit side lane, donc on peut adapter notre build à la game et surtout à la toxicité de nos alliés parce que nos vrais adversaires c'est nos alliés. Si dans la game personne fait exprès de perdre, bah franchement j'ai fait je pense 8 games où les mecs n'ont pas fait exprès de perdre, j'ai perdu 0 game. Là j'ai forcément le scuttle, je pense pas qu'il puisse le voler. J'arrive top, là faut faire gaffe à Lee Sin. Ah il est mort. Bon là lui il est mort c'est sûr. Il a niqué son R, c'est parfait pour moi. Je le tue hein, même s'il me kick, il meurt 100%. Là on est extrêmement bien, là il veut essayer de wave clear mais il peut pas.
Je vais reprendre l'aggro de la tour, je vais prendre une plate. On va back, on va reposer une ward. Vous voyez que la ward est toujours là. Ça, c'est ma ward. Hein. Le ghost pour eux, c'est ma ward. Elle est toujours là, on va back et on va reposer une ward. Pourquoi j'ai aussi peu de cooldown sur les wards? Et ben, c'est parce que ghost pour eux fait que vous avez moins de cooldown dessus. En gros, j'ai un Genius Hunter. Un Genius Hunter, ça baisse le cooldown de tous les items, dont la trinket. Bah, du coup, je peux quasiment perma ward quelqu'un toute la game. Et bah, c'est vraiment fort. À la fin de cette ward là, ça va faire apparaître un poro et ça donnera la vision sur lui, donc ça pourra l'aider. En fin de compte, pour mon Predator, sans Predator, mon perso est pas incroyable. C'est de loin la meilleure rune, s'il vous plaît, je joue pas footwork. Ça, c'est vraiment nul à chier. Hein. Ah, il va se faire die, je pense. Ouais, j'arrive. Ok, c'est bien ça. Ok, c'est ok. Désolé, je... Ok, ma vue a priori. Elle a tellement fait en blind que je pensais la une ward. J'ai touché avec mon E pour avoir le kill, qui est plus kill plus assist sur des carry, donc sur moi et H. Qu'est-ce que je vais pas expliquer les gars? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc pour les runes, alors je joue ça, en gros je joue full move speed. Trinité ça me donne de la move speed, le passif musique de la Trinité ça me donne de la move speed, Predator ça me donne de la move speed. Approche velocity c'est quand je touche quelqu'un, je cours 15% plus vite vers lui. On va faire Hullbreaker qui donnera de la move speed, on a un Ghost qui donne de la move speed, on a le Smite Block qui donne de la move speed. Donc vous comprenez bien qu'on a vraiment énormément de move speed, c'est trop trop fort sur Nasus. Si Nasus est super lent, il est très vulnérable au CC. Si Nasus est très rapide, il est beaucoup moins vulnérable au CC. Et il ne l'est presque plus. Pour être honnête avec vous, les gens pensent souvent que les CC ça compte en Nasus, mais en vrai ça dépend lesquels CC. Les CC type Anivia, oui. Les CC type normaux, non. Nice try. Là je le slow, donc je vais courir plus vite vers lui. On va Predator. Si jamais mon Predator one shot l'adversaire, eh bien ça le consomme pas. Alors à moins qu'ils aient fait une mise à jour, parce que l'autre fois ça l'avait consommé, mais. Là je vais me heal sur les creeps. Il pourra pas trop faire grand chose contre ça. Là, je sidestep son spell, je le slow, je le Q-spell. Et là, il est mort. Hein. Zéro chance qu'il survive. On a la Triforce, on va prendre la tourelle top. La tourelle top, c'est une first tourette. Donc ça rapporte beaucoup de gold. On va essayer de faire le Herald, mais là, c'est dur. On va aller warder ici pour traquer. Oh merde, elle est pas dans le bush. Moi, bah, j'ai première erreur de la game. Là, c'est de la merde, ça. C'est quoi le double giga buff? En gros, le lifesteal de Nasus a été augmenté de 20% en early game et 10% en late game. Donc c'est vraiment fort en early pour perdre moins d'HP et tout. C'est pas mal, même si ça c'est mineur. Et ce qui est juste broken, c'est l'ulti, les gars. L'ulti a moins 20 secondes de level 11 et moins 40 secondes de level 16. Et je vous jure que ça fait que Nasus est le meilleur champion du jeu en late game, je pense. Hein. Mais c'est pas fort que en late game, en vrai, c'est fort toute la game. Les gens pensent souvent que comme c'est fort en late, c'est fort que à la fin de la partie. Mais là, on est à 14 minutes de jeu, je suis déjà très très fort. Hein. Là, il y a rien qui me bat. Hein. L'avantage quand vous arrivez à prendre du lead avec un personnage qui scale, bah vous allez les massacrer. Hein. Si vous avez un lead mais sur un personnage early, si les mecs y a un comeback et avec les shutdowns c'est vraiment facile, Nasus c'est sûrement un des meilleurs persos pour tuer un mec feed. Si un mec est feed, je peux clairement le tuer en vrai. Alors qu'un perso normal, des fois on peut pas, tu vois. Un Nidalee, un Draven et feed, c'est chaud. Pas pour moi. Alors là on va ghost, le problème c'est que là j'ai pas de slow malheureusement. Donc ça va être tendu, il va avoir un HP je pense, il y a moyen qu'il meure mais... Ouais, il avait bien achevé. Alors on continue comme ça, le but c'est d'avoir le plus d'impact possible et de leur casser le plus les couilles possible. Et là on va Herald ici. Herald pour aller 37 T2. T2 qui sont vraiment importantes. Avec Nasus on veut vraiment creuser les bases parce que c'est extrêmement fort de prendre les bâtiments avec Nasus. C'est le meilleur pusher du jeu. En termes de ratio tankiness capacité à push, c'est vraiment incroyable. Si je veux prendre une tour, je ne peux pas m'en empêcher. Donc avec Hullbreaker c'est pire. Donc je vais mourir pour prendre un bâtiment, ça c'est souvent vrai. Ah, tant pis. Ok, c'est Lee Sin qui a le shutdown, c'est nice. Fine. Lee Sin a le shutdown, c'est pas très grave. Lee Sin peut pas carry, hein. Je pense qu'il va rien pouvoir faire. Ok, là on avance sur Hullbreaker. Alors je faisais Finbull Winter en troisième item. Je pense que Finbull Winter est l'item le plus fort à faire si vous voulez jouer teamfight. Mais faites Finbull, donc cet item là. Winter Approach, le nom de base. Faites Winter Approach si et seulement si vous voulez jouer les teamfights. Et seulement si vous avez tous les stacks. Il faut 360 stacks. Et cette rune là permet de récupérer la trinket plus rapidement. Permet de récupérer la Triforce aussi plus rapidement. Permet de récupérer Predator plus rapidement. Permet de récupérer Gargoyle plus rapidement. Permet aussi de stacker la tire plus rapidement. Et stacker la tire plus rapidement, c'est pas mal parce que ça permet du coup de la faire plus tard. Parce que la tire en réalité j'ai pas besoin de mana hein. Je fais pas l'item pour la mana, je fais l'item parce que bon, c'est un peu compliqué mais grosso modo le cooldown du Z est synchronisé avec le Finbull et c'est juste OP hein. En gros c'est comme si j'avais 100 shield par seconde, c'est vraiment trop fort. Ça me donne un ultimundo quand je fais cet item là en quasi permanence, c'est assez ridicule. Sauf que l'anti-heal ne marche pas contre, donc en vrai c'est vraiment super broken. Mais il faut que l'item soit stacké. Si là je fais l'item et que l'item est stacké à 200 stacks, bah c'est pas terrible. C'est pareil pour Nasus top. Non, rien à voir les gars, c'est deux champions différents. Nasus pour moi est beaucoup plus fort en jungle que top lane et encore plus maintenant après ces changements là. Là je pense que c'est encore pire hein. Ah, attends, on va trouver un petit mec. On va lui dire bonjour. Il a posé il y a un piège, on va essayer de l'esquiver. Ok, il a flashé, il a eu peur de moi direct. Là par exemple, il a voulu me tuer. Il a pas pu, hein. Bon là, je suis peut-être mort si je me prends un... Non, même pas, tranquille. Ah, c'est absurde, hein. Si ma team fait pas exprès de perdre, j'ai perdu 0 game, je crois que je suis à 9 victoires sur 9. Dans quelle situation tu vas faire Divine ou Trinité? Je vais jamais faire Divine, jamais. Virtue pour jouer full support si t'es pauvre dans la game et que tu veux moins stacker. Et Trinité si tu veux plus 1v9 la game. On est un peu moins tranquille avec ce bull qu'avec l'autre bull Virtue, ça c'est clair. Donc là on va se suicider pour les bâtiments.
Ça me va parce que quand je prends ça, ma team peut push parce qu'ils vont devoir venir à beaucoup pour me tuer. Donc, juste dommage d'avoir pris la première tour. J'aurais pas dû prendre la grosse celle-là de base. J'aurais pu tanker plus. Mais du coup, on prend une T4, on prend un tir de la dernière T4. Et là, je peux carrément finir la game. Là, si je viens ici en backdoor, je peux me mettre ici et finir la game. Littéralement tout seul sans les sbires. Donc, c'est vraiment, vraiment fort parce que c'est dur de se protéger de ça. Petite question de Bronze Sky. Lorsque tu up les dégâts sur Herald dans son dos, ok, la buveuse bénéficie-t-elle de ce up? Oui, bien sûr. Quand t'as les dégâts bonus, oui, bien sûr, bien sûr. Et pour être honnête, l'Herald c'est tout stack. Donc, moi, quand l'Herald est utilisé par l'adversaire, je vais souvent essayer de le récupérer. Tu pètes l'œil et tu gagnes la stack avec. En vrai, là, ma mort a l'air nulle parce qu'on donne un shutdown. Ce qui est vrai, faut éviter de donner le shutdown. Mais je pense qu'on gagne à LoL en prenant les bâtiments. Et en fait, quand je prends ce bâtiment là, si ma team push, et là c'était le cas à droite, ils vont devoir choisir entre ma team et moi. S'ils me choisissent moi, ils ont pas perdu la game. Mais s'ils me choisissent moi, ils perdent leur base. Parce que moi, je prendrai la base et ils vont prendre le côté. Donc à ce moment là, la game elle est finie parce qu'on a juste à faire Nashor et la game est terminée. Donc voilà le schéma que vous allez faire dans vos games. Et c'est un schéma qui est facile à refaire. Évidemment, au début, vous allez galérer. Je pense que Nasus jungle, c'est pas si facile à jouer au tout début. Mais ça vaut le coup, je pense. Juste, je jouais pas fit footwork, etc. Et essayer de faire un truc un peu similaire. Et donc là on fait Fimil Winter les gars, prochain item. Mais là leur chance de gagner je pense c'est 0 hein. Sans exagérer. Merde, j'ai pas le smite. Non. Et bah j'ai plus smite mais j'avais pas le smite. Toujours le breaker dans ce build. Je pense que le breaker c'est trop fort frérot. Après peut ne pas le faire. Tout à l'heure j'ai pu leur péter la gueule mais j'avais pas le breaker. Donc là je l'ai, c'est pas la même. Voilà, la game elle est finie, je vous le dis. Là c'est terminé hein. Même si mes alliés meurent, dans tous les cas je finis la game. Et adieu. Il y a zéro chance qu'ils puissent me tuer parce que je suis extrêmement tanky. Bien joué, bien joué. Donc voilà une petite game. Donc là, les gens pensent, tu vois, que le perso sert à rien en 30 minutes de jeu. Là, on n'est même pas à 21 minutes de jeu. Et en vrai, le perso est extrêmement fort. Hein. Et donc avant, Nasus était très fort en late game quand même. Mais t'avais pas le droit de rater ton ulti. Tu rates ton ulti, ta game est finie. Parce que en fait, si tu rates ton ulti, il faut que tes alliés attendent que tu récupères ton ulti. Ils vont pas le faire. Donc tu vas perdre. Alors que là, maintenant, c'est pas la peine. Tu vas jouer sur le side. Tu vas jouer le breaker. Parce que le breaker a été buffé. Trinité a été buffé. Nasus a été buffé. Et les trois items sont juste trop forts sur Nasus là actuellement. Bah, du coup, il y a un triple buff sur Nasus. Donc tu peux vraiment atomiser la game. Et donc moi avant je jouais Finbune pour jouer teamfight. Là je pense que je vais jouer Hellbreaker et jouer beaucoup plus solo. Il y a eu plein de games où ma team se fait 4 pour 0 et bah je finis la game. C'est beaucoup plus fort que ça en a l'air. Je les ai détruits. Ouais, après j'avais un très bon Vladimir. Hein. Le Vladimir jouait très bien. La team était cool, personne n'a fait exprès de perdre dans la game. 3 games d'affilée où personne fait exprès de perdre. Putain, je commence à croire que je crois en Dieu en fait. C'est bon.